La crise du coronavirus n'a pas fini de déjouer les plans de la reine. Cette fois-ci, si est-il l'anniversaire de son cher et tendre, le prince Philippe, qui se retrouve perturbé. Le duc d'Édimbourg fête donc son 99e anniversaire ce mercredi 10 juin aux côtés de son épouse, comme le montre une photo officielle publiée pour l'occasion. Pour cet événement, la monarque a décidé de ressortir de ses vieux tiroirs sa broche fétiche, la Colline à Nevé, sertie de diamants, avec une pierre précieuse en forme de cœur en son centre. Le bijou tient son nom du diamant, le Cullinan, plus gros diamant brut jamais découvert, d'une masse de 3106 carats. La pierre est originaire d'Afrique du Sud et a été trouvée dans la mine Premier en 1905. Une broche historique, elle a été offerte au roi Édouard VII pour son 66e anniversaire par le gouvernement du Transvaal, un geste symbolique après la guerre des bourses qui les opposait à la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Élisabeth II en a hérité à la mort de la reine Marie en 1953, épouse du roi George V. En 2012, comme le rapporte le Daily Star, le Daily Mail avait estimé ce bijou d'une grande valeur à 9,4 millions de livres sterling, 10,5 millions d'euros. Élisabeth II a porté cette broche à plusieurs reprises, notamment lors du mariage de sa petite fille, la princesse Eugénie, le 12 octobre 2018, ou encore lors de Garden Party, cérémonie d'investiture, ou Fashion Week de Londres. Pour célébrer les 99 ans du prince Philippe, Kate et William ont également publié une photo officielle ainsi qu'un tendre message. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg. There's all times through the rough times I